Merci de choisir la RTMD pour vous informer en matière de sport, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir chez vous. Merci à la grande équipe Costaud de Gaillard professionnel qui nous tient compagnie ce soir. Merci à Chanel KMB qui a fait la prise de vie. Merci également à Kofi Mondo Balongo. Merci à Assoumani Lola, notre réel de tous les jours, de tout le temps. Merci également à Michel Mika qui est du côté des consoles. Pourquoi pas un grand merci à notre directeur Trésor Yala qui est là toujours pour la franche collaboration. Merci également à Boris Nawej, à Robaz, pourquoi pas à Gigariel Gaston Mouila. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon cordon, mon complice de tous les jours, de tous les temps, et aussi les invités que vous devez à très bientôt revoir. Mais je vais commencer par mon complice, notre cordon de tous les jours, de tous les temps. Lui s'appelle Claude Kafuku, à qui j'ai dit bonsoir Claude. Bonsoir Lino Sassou. La santé. En tout cas très bien. Et à côté de vous, vous pouvez présenter les messieurs qui est à côté de vous. Le secrétaire Jérémy, je préfère qu'il se présente lui-même. Ok. Bonsoir, CG Jérémy. Bonsoir, madame. La santé. Dieu fait grâce. Ok. Et papa, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous reconnaître? On peut savoir les noms? Oui, c'est le président Albert Yende Bofong. Pourquoi président Albert Yende? Je suis président AI de Les Amis de Floyd. Ok, merci. Les présents AI d'un structure qui se nomme Les Amis de Florent. Là, c'est que Jérémy est habitué de la maison. Vous comprenez déjà, non? C'est que Jérémy est déjà habitué de cette maison. En tout cas, avec eux, on va devoir décortiquer l'actualité sportive de la semaine. Direct tout de suite les titres. L'Estivita Club de Kinshasa a crucifié la formation marocaine de Renaissance Berkane sur le score de 3-1. Et tout puissant Mazembe Anglebert, à son tour de Lubumbashi, a réussi à tenir en échec les Angolais de 1er d'Agosto à match comptant pour les quarts de finale 0-0. Et on va parler évoquer l'Assemblée générale élective aura lieu le 30 octobre 2018. Et aussi du côté des ententes, le démarrage de la saison sportive 2018-2019 du côté de tous les ententes. Là, c'est tout pour les titres. Claude Kafou, vous avez ajouté par rapport au titre? Par rapport au titre, c'est la joie qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. On a vu deux clubs du pays mieux se comporter. D'abord, le samedi dernier, à la citadelle de Luanda, le tout-puissant Gébert Mazembe est allé tenir en échec la formation angolaise de Primeiro d'Agosto. C'est pas une petite équipe. Donc, Mazembe a fait un 0-0. Et hier, c'était la sensation, le poulain de Florent Ibengué, pourtant mené de la 24e minute. Cette équipe a su renverser la vapeur, arriver à bout de la formation marocaine sous le score de 3-1. En tout cas, c'est la fierté de tous les Congolais. En tout cas, c'est la fierté de tous les Congolais. C'est la fierté vraiment de tous les Congolais. Laisse Vita Club battre les Marocains de Renaissance Berkane. En tout cas, ça fait vraiment de la joie. Surtout à lui, qu'on appelle le général Amissi dit Tango Fort, le président de l'AS Vita Club. Retour en image à Soumani Lola avec ce qui a été. D'abord, on va commencer par les tout puissants Mazembe face à Primeiro d'Agosto. C'était en Angola. À Soumani Lola, retour en image. Et on va retrouver les invités pour commenter ces éléments. Pour le plaisir de tous les Anglais Bertois qui nous suivent en ce net moment. Mr. Redwan Jihad gets this game underway. I'll tell you that. Oh, they're giving the ball away. It's a chance for De. Oh, it's just gone past the left. Now, free kick, dangerous free kick. Yeah, Mishak with that right foot of his, couldn't keep it down. Try and go for goal. Yeah, Mishak, he's got acceleration. This is surely going to be a goal. TP Mazembe, can they score? Oh, no! Right, Mr. Redwan Jihad. We're goalless here
at the 11th of November. Some DRC looking dangerous up front. Trezor Mputu on the bench. Towards the byline, can he get his crossover? There's the shot. Oh, it's gone flashing right past. There's Malango. That's a good ball. Oh, a great shot. And that was a snapshot, and why not? He needs to be careful. And here's the free kick into the penalty box. Well, that was nearly a great header. Good scoring opportunity. There's the final whistle, ladies and gentlemen. Goalless here in the first leg of this quarter-final of the Total CAF African Champions League. All square, everything to play for in the return leg next Friday. Enjoyable game that was. بقوة الجماهير الترجية هذه الرأسية لشمس الدين الذوادي يسجل الهدف الأول للترجي ويغالط أشرف كرير بشمس الدين الذوادي بالبنايلي والخنيسي البدري نجوم الترجي الوهاجة تتحدى الدفاعات الساحلية في أجواء جماهيرية هستيرية سيناريو لم يكن يتوقع لا خالد بن يحيى ولا كل لاعبي الترجي ولا جماهير الترجي عليا البريكي يتقدم في راس في راس يوزع جول ما زلت نحكي ونقول عمار دار الجنرال عمار هذا هو عمار يضرب خارج الديار عمار بذكريات الاختبار عمار جاء والرحمة لا ليتوال بأقدام الأبطال النجمة الساحلية عال العال جدار ثنائي هذا هو يحضر التحضير والتصوير الهدف الثاني للترجي زلزال انفجار في مدرجات الملعب الاولمبي بيرادس هذا التحضير وهذا التصويب وسامح الدرباني Merci Josué, merci Asmane Lola pour ces belles images qui ont fait énormément plaisir à la grande dame, la première dame, Maman Peggy Ibengue, donc la femme, la chère épouse à Florent Ibengue, pourquoi pas à Héloïse, la fille de la cadette de coach Florent Ibengue. C'était vraiment la joie du côté de la famille Ibengue. En tout cas, avec mon invité, Nagusé Bazongil Bango, présent Yende, d'abord, tout va donner à Claude Kafuku, avant tout côté de m'inviter en dessous, votre analyse par rapport à match au tout à l'heure, en ce moment. Yomona Yende, vite à Méritaki, victoire, ben c'était comme. Oui, pardon, merci Claude Kafuku, c'était plutôt le match de Mazembe, tout pour ça, Mazembe face à primaire au 2 d'agosto. Claude Kafuku, votre analyse par rapport à match, est-ce que Mazembe a mérité ou bien Mazembe n'avait pas démérité Mazembe qu'est-ce qui n'a pas permis à Mazembe à Nigisa filer y a Bangolais au fond l'équipe de Mazembe n'a pas du tout démérité C'est une équipe qui a bien joué oui mais l'équipe a pêché au niveau de l'attaque Quand on voit un gars comme Ben Malango qui se procure 5 ou 6 occasions il n'arrive pas à même profiter Michel Mika seul devant le but La défense déjà battue. Il n'arrive pas à placer les couilles au fond de filet. Et à un certain moment, le milieu de Mazembe avait cédé. Et je dirais que rien n'est encore gagné pour les Congo de Toussa Mazembe. Oui. L'équipe angolaise est capable de venir créer la sensation à Lubumbashi. Donc, Pamphi Miayo et ses hommes doivent beaucoup travailler pour éviter toute surprise désagréable à Lubumbashi. Ok, Pamphi Miayo et ses hommes doivent beaucoup travailler pour éviter la surprise désagréable. En tout cas, Maestro, il faut vraiment... Issama Peko, le capitaine de cette équipe, motiver ses coéquipiers pour ne pas vraiment... Kotika Angolais,
la terre louchoise va marquer parce que rien n'est encore gagné pour retour. C'est dans une semaine, donc le match retour est programmé pour ce samedi à Lubumbashi. En tout cas, nous en sommes de cœur avec vous que et Simba. En tout cas, Bosaka est fort, Wana Bosepi Saba Congolais et qui est Simba. Parce que comme votre slogan le dit toujours, que l'impossible n'est pas Mazembe. Moi aussi, je m'accroche à cette slogan-là, que l'impossible n'est pas Mazembe. Et on ose croire que le samedi prochain, Mazembe fera le nécessaire. Pourquoi pas? Parce que Mazembe est habitué à la compétition minine et le coup là-bas. Merci beaucoup, président Yende, avant tout qui n'a sait que Jérémy Yo analyse notre temps sportif. Parce que quand même, vous avez vécu bien, mais votre analyse par rapport à un match, à Mazembe, na primero d'agosto, parce qu'ils ont équipe congolaise, Nde et Betahim Koulouana pour le compte de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, maman. Je crois que. Le match s'est déroulé, s'est terminé par un bon score, c'est-à-dire Mazembe devrait gagner par un but à zéro. Il avait marqué et puis l'arbitre a jugé ce qu'il a jugé bon. Et pour moi, comme conseil que je peux donner à Pamphile Niyaï, c'est de faire commencer le match pour tout donc commencer le match. Parce qu'il il a des créations, il a des surprises qui peuvent commencer déjà au début du match. Et ça pourra aussi permettre l'équipe de bien marquer avant. Okay. Voilà. C'est que Jérémy analyse Nayo par rapport à match Wana. On les analyse assez à présent. Il y a des que non, pour tout, devrait comment pourrait commencer les matchs. Mais là, ça n'engage que coach Pamphile Niyaï parce que nous ne sommes pas des coachs. C'est à lui. Le choix, il y a joueur au Bandisana, joueur au Kotisa. C'est que Jérémy, un sportif vraiment au Polinga Ballon, parce que nous avons eu parce que tout le temps à Bino, tout le monde a eu le analyse na yo par rapport à match, il y a eu vie, il y a Mazembe, na primero avant tout qu'il y ait solo à vite aux équipes chères. Merci, maman. Moi, je crois que Mazembe, c'est un habitué à compétition. Il y a un haut niveau. Et ça, c'est triste. Moi, je suis sûr que Mazembe a un bon résultat dans le Mbashi. Et ça, match, Betamaki, match aller, le niveau Tosali, équipe Union, soit comme le niveau quart de finale, et cette équipe a sous-estimé. Primero, soit ça qui m'a cassé, a recommencé le niveau quart de finale. C'est une Champions League. Donc, à cette équipe a sous-estimé. Bah, ça y est, résultat, mon bien, il y a 0-0, mais ça, résultat, mon piège. Il suffit qu'à primaire pour marquer dans le Lubumbashi et que tu veux compliquer la donnée. Donc, on m'a dit, il faut battre dur. Coach Miyayo a commis déjà une expérience. Azan va jouer tellement expérimenté. Je crois à quoi il va devenir pour utiliser Bango. Surtout qu'il attaque à Mazembe ces derniers temps. Sur le match, il y a plus ou moins 4e match encore où Mazembe a gagné. Envie de bien jouer, Renaissance Sportive Berkane, équipe marocaine, l'Est Vita Club avait joué en amical face au Jeunesse Sportive de Kinshasa jusqu'à équipe chère, président Mbambi Ngamani. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte, 1-0, tel était le score qui avait sanctionné la partie. Retour en image avec le résumé de la rencontre. Vita Club face au GSKA, Assoumane Lola était là pour le compte de l'émission Température Sportive et on va vous retrouver juste après. Thank you.
Merci Assoumani Lola, merci là, je profite de l'occasion à dire vraiment merci au poulain des coachs Zico Kiedivila du côté de la jeunesse sportive de Kinshasa. On croyait peut-être à 4-0, 3-0, 4-0 début à rien, mais les gars de la jeunesse sportive de Kinshasa avaient vraiment fait l'effort de limiter les dégâts 1-0, tel était le score qui avait sanctionné la partie. Claude Kafoukou, est-ce que vous avez su que la jeunesse sportive de Kinshasa pourrait tenir aussi l'AS Vita Club pour que les matchs sortent sous la note étriquée de 1-0? Je dirais que la formation de JSK a maintenant de l'expérience. C'est une équipe qui est en train de gagner. Cette saison, l'équipe va jouer la Ligue 2. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, équipe championne de Pefki. Deuxième au niveau de la Coupe du Congo. Donc, c'est une grande équipe pour le moment en République démocratique du Congo. Bon, jouer avec V-Club, pour V-Club, les résultats ne comptaient pas. Pour V-Club, il fallait préparer bien le match d'hier. Il fallait bien préparer le match d'hier. C'est pourquoi ils ont choisi JSK qui est quand même au top pour le moment. Ok. Merci Claude Kafoukou. Lukong, le portier de l'AS Vita Club Ngoma. Le milieu du terrain de l'AS Vita Club et puis Ngoulou qui est le capitaine de cette équipe avait parlé au micro de Josué et de Pax Moussaou. Suivez, on va vous retrouver juste après. Vous savez que c'est un match de la quart de finale de la Coupe de la CAF, donc on doit chercher à avoir notre qualification à partir du match qui va se passer à Kinshasa le 16 dimanche. Donc je pense qu'on doit tout faire pour avoir un bon résultat ici. Un match aller pour chercher la qualification de côté du Maroc. Et un mot pour tout. Oui, je sais qu'ils sont là pour nous aussi. On doit travailler aussi pour chercher à faire un bon résultat pour rendre plaisir à nos supporters, pour venir pour nous. Merci à Assoumani Lola pour ces belles images qui ont fait énormément plaisir à tout le dauphin noir de Kinshasa qui était présent au stade de Martyrs et revivre leur équipe. Mais maintenant, nous allons parler de match des quarts de finale qui a vu V-Club battre Renaissance Berkane sous la note de 3-1. Double signé Jean-Marc Mundele Makusu et un but de Djuma Chabani, le latéral droit de l'AS Vita Club. Avant de vous retrouver en image, c'est que Jérémy, Vita Club, Renaissance, Berkane, 3-1. Vous étiez au stade, vous avez un stade Nenin Moscou, Yindaki, Naba Navia, stade Zaki en vert noir. Et c'est mon nom avant match Wana. Est-ce que c'est que Jérémy, vous s'attendez qu'il y a un score, il y a 3-1, topé, Bana Vita Bazaïka, Namoukou, Nabango, et Simbi, Vita gagné 3-1. Merci. Et tant que fait plus bien, je crois, dès le début de la saison, tous les objectifs ont été fixés qui n'est pas le bas qui tant que vous allez qui emballer l'équipe. Et ça, qu'on soit l'INA foot, puis qu'on soit Coupe d'Afrique. Qu'on gagne le match 3-1 pour la Bissot, le Bézaki, c'est plus de pour les années 4 à jeune dans la Bissot. Tous les gens l'INA foot, tous les qui, c'est qu'on soit la Coupe d'Afrique. Donc il faut négocier match de l'Union sur Vita, sur Beta. On a ça d'autre, tous les gens à niveau quart de finale. Alors l'équipe n'y a pas, tous les gens à niveau manco. Alors Vita a dit qu'on s'est préparé en conséquence. Donc bien que tu aies dit le but, bien que même à ta marqué, Bissot, Souka,
tu as remporté le match. Tu as dit match à sec. À sec, tu as gagné un 0. Au finish, tu as 3-1. Il y a un autre tout le monde va faire bien. Tu as dit que tu as dit tant que le match est là, tu as gardé toujours le moral très haut. Tu as toujours vocalisé l'objectif avec les Bazali à signer la saison 1. Comment expliquer le comportement des supporters et l'équipe Morolobi Aro? Parce que pour nous, l'équipe de Papaya, il y a des gens qui ont par rapport à ça. Bon, moi je crois que tu dis que bon batté, il mange les Ali, et ça, on a vu ça, il y a Renaissance, il y a des drapelés, il y a des soutenir l'équipe, on a su qu'on va marquer Bissobi. Alors, ça, le comportement, il y a déploré en gros. Que fait club jour Renaissance n'a rien à voir dans quatre matchs wana si ma monnaie est quoi pour soutenir fait club et bongi malamte et singela qui va faire nanda collier baïa pour la courte des ordres au lieu mon baïa qui s'agit pour la courte des ordres dans match avec club vous serez qui voilà monnaie qui n'est les gars qui n'a ça donc baïa qui va se mettre des ordres dans match à vite alors toujours il y a eu ça va cambia Renaissance que va bien va supporter le bon matoui fait club et sa équipe il y a niveau il y a Renaissance t. Donc quand le club joue, ceux qui sont en train de faire le spectacle, il y a des rimes, il y a tous ceux qui sont ensemble, tous ceux qui sont ensemble, tous ceux qui ont une attitude, une réaction. Pourquoi toujours dans la Renaissance, il y a une rivalité avec le club. Il y a une équipe, il y a un niveau, il y a un club. Donc il y a une rivalité dans le club. Alors le prochain match, il y a une demi-finale. Tout ça n'a pas aussi à la Renaissance pour y avoir assisté à la match à Vita. Donc, on a dit qu'on a un match à Vita, il y a pour nous faire un spectacle et non pour nous avoir un désordre dans le match à faire clair. Ok, merci, c'est que Jérémy. En tout cas, tout la sportivité oblige. Hein. Et la Coupe d'Afrique, c'est la Vita Kakate parce que Vita est une équipe congolaise. Donc, on a vu que c'est-à-dire, nation, on se photo à la cima Vita parce que nous avons défendre le drapeau congolais. En tout cas, c'est mon comportement. Il y a un robot et un rappel dans la même idée. Oh, c'est que Jérémy, en tout cas, ce sont les ababilo que les photos boy amour parce que vite à une renaissance au Québec et au Maroc jamais bah marocain bah au coup mis sa renaissance bah au sein de alors pourquoi biso tout ça la bloc en dehors en tout cas c'est un comportement vraiment y a que boya avant tout pèse vice président Yende Malobapo pour parler des amis de Florent Ibengué retour en image avec la raconte qui a vu avec les battre les Marocains des Renaissance Berkane sur la note de 3-1 doublé signé Jean-Marc Koundé, les Makoussou et Ambi de Djuma Chabani et aussi Jean-Marc qui a été les passeurs décisifs Yabi Oyo Djuma Chabani avait marqué retour en image pour le plaisir de tous les Vécliens qui nous suivent en ces nets moments en particulier le président Didier Catalyst suivez et on vous retrouve juste après. This Confederations Cup. So we're underway. And now beaten there, the cross played in, turns into cross come shot. Swings into a really good area, and it's the opening goal. Away goal, Berkane. And it's the captain. Well, I said before kickoff. Step over, it's taken over. Chance for the equaliser, but he's hit the side netting. Well, fury in the centre. Makoussou wanted. Vita certainly have improved. It wouldn't have been difficult from the opening stages. Get in on goal! And it's a stunning equaliser! Well, Berkane had been so comfortable for almost the entirety of the first half. Action. A vibrant end to that. Loco making his way on. Mario decides to go to the byline. Oh, it's gone in. And wing play from Batazadio.
The keeper doesn't get there. I think it comes off the head of the golden boy, Makusu. Well, the break on here, a brilliant 1-2, great touch. And a well, that is that. Can one. A hugely merci beaucoup. Ces images ont fait énormément plaisir à la première dame, hein, maman Nabana, maman Peggy Kwange, donc l'épouse chère à coach Florent Ibenge Kwange, pourquoi pas à notre cadette, hein, bébé Loïs, qui nous suit en ces nets moments. En tout cas, ça a fait la joie du côté de la famille Ibenge, surtout aussi à grand frère propre, hein, grand frère de son petit papa Rémi Ibenge. En tout cas, ça a fait vraiment la joie et ça libère bien. Et surtout que le coach Florent, en ce jour, a opté pour les vestes. Donc, tout le monde la coach Laurent Ganaba tennis sportif mais Mikolo Abi ba match car investe donc ça la bien quoi. Alors on va continuer toujours encore en émission Nabiso, mais avant topé sa Claude Kafou comme le pour commenter de la raconte, parce que en tout cas félicitations, courage aussi également au 9 match. Là je cite Jean-Marc Moundé le Makusu, et maintenant c'est lui qui est libitaire. En tout cas ça fait du bien et ça la bien, parce qu'il a eu conscience, moni mutu a eu conscience abi non ba les amusa nanga et tout le monde va fruit à musala et la joueur local la Juma Shabani ba bi a modèle abi ba monter, donc un latéral qui va comme un ailier. En tout cas merci beaucoup Namobala la maman, et Namobala la maman ça l'engage que moi et Juma Shabani, donc ça lit bien la famille, hein. La maman nanda vous n'avez pas chite, abete pas chite, parce que Azaki peut compter cité parmi babiter. Claude Kafuku a pas présent yende au talagi match avant Claude Kafuku a zomaluba pour que commenter de son côté aussi. Ndenga sala qui analyse match wana pour nayo tanga maika qui vite a gagné 3 ans tout pour mona yende ba faiza qui wapi au sepele côté ni. Bon, merci beaucoup maman, ndenga to lobara. Tout est comme tout le monde, nous sommes là. Tout le monde a qui entraîneur Flo Ibenge, entraîneur Android. Je crois, Mikolo, monsieur, tout ça, pour ça, tout ça, la rara n'a pas de téléphone Android. Pour les gens qui ont été découverts, bani. Le rappel, monsieur, on a Congo, tout ce qui est un entraîneur Android, on a comme Flo Ibenge. Oui, on a habité. Moi, je suis au monde. Musala ou tata na zako sala. Mais babo ya yeye babi ya zana ba suffisant. Mama Yesu avant que tout ça Yesu mon en Nzambe mututu andimaka yete. Uzo ndimaka parce que présent curieusement uzo le ba trop sur coach Florent Ibenge. Uzana ce soir na les amis de Florent Ibenge. Mais nazali président AI. Nazali président AI à les amis à Florent Ibenge. Alors, bah, objectif n'est pas de poursuivre la structure. Papa, l'objectif est de soutenir l'action Nios. Il y a Florent Ibenge. Et puis, quoi, accompagner l'excellence. Voilà. Comment vous réagissez, Nélo, pour conférence avant match entraîneur marocain à l'Obi, la carte, il y a ça, les camps, c'est une basse, on a tellement à l'Obi. Mais pour répondre à la question, quand on était au bandit, des coups, on a des bandits, sous Kozo, on a des bandits, mais à la Congo, on a des bandits. Mais André Marocain, l'Obi, c'est un grand monsieur. C'est l'un des meilleurs, parce que ça, la formation, ensemble, oui, hein, oui. Ils sont à 5. À 5, oui. Donc c'est l'un des meilleurs en Afrique. Pourquoi réagir de lui? Bon, le coup, on a été au Loba. Tout à l'heure, il y a ce monde en Zambie. Il y a tout le monde. Mais mon sala, il y a un salaka. Je suis en train de me faire continuer. Le lot Flo, que je salue en passant, coach, tu peux soutenir, tu peux soutenir, et si tu as un mabé, tu peux salir un malam, tu peux salir un malam. Tu peux salir un erreur, tu peux salir un défaut. Aux apés, aux apés, aux apés. Mais bien sûr, aux awana, pour
soutenir yo quoi, accompagner en excellence. Ok, merci les amis de Florent et Ben, ils sont là pour soutenir Florent et accompagner Florent à l'excellence. Nous allons quitter momentanément les amis de Florent, mais il est encore là, on va parler encore, on va continuer à parler avec lui, mais parlons de la Ligue nationale de football avec la 24e édition la 24e édition qui s'annonce déjà pour ce Vendée, le Vendée déjà du mois en cours. Dans tous les sites, et déjà à Kinshasa, le Day Club Motema Pembe croisera le Botine avec GS Bazanou. Ça serait au stade Tata Raphaël. Le V Club sera en déplacement le 26 pour jouer le tout-puissant Mazembe, Anglebert et à Kinshasa également Renaissance, le football club Renaissance du Congo, Matira Rangers. Déjà, par rapport à ça, l'Eden Club Motema Pembe Afrique ses armes pour bien entamer ces compétitions. Il a été en amical, c'était le vendredi dernier au stade Tata Raphaël face à Idumu, une équipe de l'EPFKIN. La rencontre s'est soldée sous la note des 5 bisadés en faveur de Motema Pembe. Claude Kafoukou, vous étiez là? Oui, disons que la formation de Daring Club Motema Pembe va représenter la République démocratique du Congo à la Coupe de la Confédération. Donc c'est une équipe de Motema Pembe qui se recherche encore. Motema Pembe est en train de faire beaucoup d'efforts, fournir beaucoup d'efforts pour ne pas faire piètre figure lors de la campagne africaine. Vous vous souvenez, l'année passée, Motema Pembe fut débarqué de le demi par un club inconnu du public congolais, même sur le plan continental. Hein, une équipe équato-guinéenne, ça a fait mal aux Congolais, mais aujourd'hui, Otis Ngoma et ses hommes doivent fournir assez d'efforts, préparés en conséquence. J'ai vu Dago jouer, j'ai vu les Nigériens venir. Bon, c'est bon, mais est-ce qu'ils sont à la hauteur? Est-ce que ces joueurs de Motema Pembe ont le championnat dans le jambe? Ils n'en ont pas. C'est pourquoi la INAFOOT sera pour l'équipe de Motema Pembe une occasion de mieux se contenter, se concentrer, afin que l'Afrique soit meilleure pour le Motema Pembe vert blanc. Donc les ok, retour en image toujours par rapport aux préparatifs de matchs amicaux. Les Dengue Motema Pembe mettait l'amical face au MK Étanchéité. Le résultat de la rencontre à la fin, 0 partout. Assoumani Lola a été là et Pars Moussaou pour le compte des préparatifs sportifs que je vous conviens suivre.
Toujours dans le cadre des matchs amicaux, Renaissance dit Congo était aussi en amical les week-ends derniers face au Rossi Club de Kinshasa, RCK équipe chère fondée Mopao, 2-1, téléscore qui a sanctionné la partie. Mais le coach des Oranges de Kinshasa, Chico Mukeba, a dit déjà ses ambitions. Il a dit que non, il est là pour tituler les grands et compter. Et les publics congolais peuvent compter ces Renaissance du Congo cette saison parce qu'il serait parmi les trois. Claude, est-ce que vous avez un mot? Parce qu'il a déclaré à notre micro que Renaissance, les Congolais peuvent compter sur Renaissance du Congo parce qu'il n'est pas venu à victime expiatoire. Ouais, je dirais que Chico Mukeba n'est pas un dieu. Il faut voir d'abord le moyen que l'équipe possède. Est-ce qu'ils ont des moyens? Il y a des entraîneurs qui sont venus, ils sont partis à cause de manque de moyens. Il y a des joueurs qui sont venus, ils sont partis. Est-ce que cette fois-ci, Renaissance a mis de moyens? C'est la grande question qu'on doit se poser. Parce que Chico peut déclarer, nous allons gagner, nous serons parmi les trois grands du pays, mais avec quels moyens? Mais ils ont dit changer les staffs dirigeants, ils ont dit changer les comités. Ils ont été en assemblée, ils ont voté, peut-être ils ont comblé les vides parce qu'il n'y avait pas les gens. Moukoun avait dit qu'il était seul à soutenir l'équipe, vu les moyens qu'il était seul avec la grande équipe là de Football Club Renaissance. Peut-être c'est ça qui faisait défaut. Mais maintenant, il a remplacé avec les hommes qui est là capable de pousser aussi la main forte pour donner ses cours à Moukoun. Je te dirais ceci, c'est pas pour demain que Renaissance va fumer le calumet de la paix. Quand on exclut certains membres cofondateurs, ça pose encore problème. Moussanganya est exclu, Tigny exclu, alors qu'ils sont cofondateurs. Vous connaissez la règle des Aspen. Lorsque
vous écartez un cofondateur et on vous amène devant la justice. La justice va dissoudre cette association. La justice va dissoudre, tu le dis bien, Claude Kafuku, même où qu'on l'avait crié au fort à la télé par la voix des ondes que Tingi et Moussangana ne se manifestent pas. Sur ce, Moukouna a pris l'option. Qu'est-ce qui le prouve? Il ne cotise pas. Il a nous dit... étions avec toi une fois chez Miguel, quand il était encore chez Renaissance. Ce qu'il nous avait dit, vous avez ça. Il y a un entraîneur qui était le gardien de but là-bas. Donc tous ces entraîneurs qui sont en train de partir. Oui, c'est un dossier, Claude. Tous ces entraîneurs qui sont en train de partir, sont-ils malades? Oui. Tous ces joueurs étrangers qui étaient chez eux sont en train de partir. Bien, Claude Kafuku, on va continuer avec ces dossiers Moukouna dans nos prochaines éditions. Mais parce que l'air à la télé, c'est l'air, nous continuons avec nos invités à parler de la Ligue nationale de football de Kinshasa qui s'annonce déjà pour se vendre la 24e édition. C'est que Jérémy Veklev va jouer sa première rencontre face au tout-puissant Mazembe à Kamalondo pour ses 26. Est-ce que vous comptez que Veklev va aussi la mien na Kamalondo face au tout-puissant Mazembe Anglebert? Merci. Ce n'est pas pour la première fois que Veklev va gagner à la Lubumbashi. Il a habité le calendrier en gros, Veklev va voyager avec les bêtes en mars le 23. Tozonga, après tout que nous le 26, on a dans ce quartier de match, on est bêtes en le 26. Pour autant, la vie le 23, il faut bêtes pour nous en Maroc. Il a habité à sa raison, le même le 23, pour y avoir des bêtes en mars le 26. Peut-être que l'organisateur, il a football, mais qu'un peu pour revoir le calendrier. Veklev, peut-être qu'il a bêtes en match, ils allaient. Où il en dit les 30, je crois. Les 32 vides à Souga Ké, à Zongi, à Rosana Mouatan, 3-4 jours à Béta les 30. Donc le 26, la zone du Mafumatik est au Béta le 26. Alors, c'est Jérémy, ce qui, par exemple, organisateur a insisté dans laquelle vous Béta le 26. Et vous avez une personne. Non, organisateur, il a insisté pour aller avec Veklev à ceux qui ne vous Béta. Ce qui est peut-être ce bête à le 23, ça va. C'est Jérémy, mais en bête à bête les 23. En bête les 23 à Zongi. En bête les 23, soit Zongi les 24. À qui directement Lubumbashi a qui mette les problèmes? C'est parce qu'en bête les 23. Et match à Mazembe les 26. Donc, 3 jours, il y a décalage. Ils peuvent jouer vite à professionnel. À habitué à la compétition minéne. Pourquoi ne pas jouer à bête les 23, à bête les 26? Ça pose pas problème. Le bas, ce qui n'est pas de problème à vol les a, là ça pourrait compliquer. Mais si on vole les a dans votre dispo, avec les peuvent jouer. Cette Jérémy, match à Mazembe, avec le Nakamalondo, il posera toujours problème. Royo Kabayero, intoxicati, insecticide. Dans la vestiaire, donc problème, pas bête qui va jouer, ainsi de suite. Alors, pour la 26, Bino, Boza, par président, il y a ma section, disposition Nini, Bozui, Bobo et sa comité, par rapport à match à la 26 pour que l'équipe puisse se déplacer dans la bonne condition, puis dans la Kamalon, nous situation à la normale. Merci. Moi, je crois que Bande Gonabiso, il y a Lubumbashi, il y a Mazembe, il faut pas la faire play. Chaque fois qu'on va au Bétawa, tout le monde a un incident majeur et ça l'a raté. Tout le monde même dans la foule qui a les cas où le camp va bambaye ma banga la match à 1-0 pour ça pour mon image. Ma bamba le camp ma banga match, je suis bête, ma soba le camp ma banga pour la nini. Balnega tout plus va gagner match. Et ça va bloquer moi au déploré. Mettons, il y a un match, les gars qui devaient jusqu'à la fin. Problème, mon coin, ils allaient quitter. Donc, au Senga, esprit à sportivité et ça l'a fait à faire play. Nabande qu'on a biso à Kamalondo. Quand on vit, on voit qu'on bat les bangos, qu'on a la terre, na bango, et ça le problème. Merci. Tout pour bas à la fair play, parce que comme on vous a toujours dit, sport est dans les trois résultats. Soit vous gagnez les matchs, bien vous faites match nul, bien vous perdez aussi les matchs. En tout cas, il faut être vraiment sportif avec la fair play oblige. Avant de retrouver les amis de Florent Ibenge Kwange, nous allons parler, comme on vous a dit.
au début de cette émission que c'était le démarrage du côté de tous les ententes, entente Kilimani, entente Malibo, entente Limpopo, championnat zélotique, na lobandenge de Pachara Lobara, championnat zélotique pe bandaki bande samedi bantante nyonso et celle qui gona ngo samedi. Et du côté de l'entente de football de Kin Malibo, c'est le président Casimir qui a donné le go par rapport à cette championnat, au démarrage de ce championnat, qui a vu FC Kamuela être tenu en échec par Aco Sport sous la note étriquée de 1 but à 0, c'était au parc 5. Et là, par rapport à l'entente Malibo, mais par rapport à l'entente Kilimani, c'est FC Kayolo, donc FC Barumbu, qui a fait un match nil face à Alvik, c'était au terrain technique Prof 1, de la Gombe, 1 but partout. Retour en image avec ce qui a été la raconte qui a opposé FC Kayolo face à Alvik, équipe chère à Tito, à Ticho, Idi Ambito. On va retrouver nos invités pour parler de notre émission Température Sportive que nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Assouma Nilola a été là et je souhaite pour les comptes de cette émission. C'était bien, ils allaient vraiment bien à terrain profond. Bisom Tolinga balle, et même quand balle à Zélotique et Beta, donc ça me fait du bien. Il y a Otalara, Babale, on a beaucoup de monde à équipe chère à Ticho Idiambito, OP et Botamisika, et la première division en tant qu'il y a Kilimani, en tant que autres, chapeauté par le président Makia Dimonvier, que je salue, et pour qu'on pense en tant qu'il y a Lipopo, ils ont chapeauté dans Timothée Mina, mais là, au monde, raconte, il y a Lipopo, na Malibo. Dans nos prochaines émissions, mais ils allaient bien la prof 1, mais bala zélotique tout c'est un cas que moi ba calme à la raille équipe sur les hommes bas les arts faire play vos et la tina crucifié final et arbitre un des beaucoup jugés. En tout cas, ma bonne chance kaka na FC Kayolo ou les équipes astika et qu'on rejoindre l'équipe ou les a déjà tout plus bon cas ma bonne chance c'est tout quitter ou un apôtre vitali solo ya Karaté Club Kasavubu qui était en cérémonie de passage de sentir Claude Kafuku. Vous connaissez mieux. Oui. Le Karaté Club Kasavubu, l'un des grands clubs de la commune de Kasavubu, pourquoi pas, de la ville-province de Kinshasa. Donc il y a eu passation des ceintures. Et nous allons suivre Maître Samy, qui est l'un des grands maîtres de karaté ici à Kinshasa. Il s'est exprimé au micro de la RTNC. «
Mais Nazope ça merci na batunyo so bazola ndabiso. Oeza Karate Club Kasavubu, Kaseka Kasavubu, ya maître Nabiso Kaïs Dinganga. Alors le lois alaki mardi, mukolo wa pitoya ki teste, ya bana Nabiso o ba passer ba ceinture jaune. Alors tozo yebisa pe tozo senga na bande ko mususu. Na ba parents mususu o bana na bango bazana bandaku. Batinde la biso bango. Po awa to sala ka sporté. To sala sport et puis to sala pe éducation. Donc sport na éducation, bana mo na no soka ya ko be baté. Tozo bongisa bana. Et puis soyez baillé, bah voilà tapez bah sentir le quoi andenge bah on va lati. Et puis vous avez l'indication est bien. Kobanga na hôte et loko musu soute sport car. Nazope ça merci mingi na ba maître na biso tout. Ndenge to zala kanaka ya club awa. Nazope ça merci na maître Kanza. Nazope ça merci na maître Chibi. Nazope ça merci na maître Gilva. Nazope ça merci na maître Alain Tela. Nazope ça merci na ba maître Nyonso, ba maître Guilin. Nazope ça merci na ba maître Gabi. Donc toza ebele so na bina ba notanga wa. Donc, nous avons été. Alors, Yangwana, nous avons fait merci à Bango, dans le sens que nous avons fait un test, nous avons fait un test, nous avons sentir na bango. Donc, ce qui est sali sous ma casse, c'est que nous avons fait un test noir. Donc, je crois que nous avons fait un test. Merci beaucoup. Voilà. Oui, les amis, oui, papa, oui, les amis de Florent Ibengué, votre. Est-ce que y a-t-il un message particulier que vous pouvez lancer à la population congolaise, à tous ceux qui aiment Florent Ibengué, mais qui n'ont pas le moyen de venir adhérer dans ce groupe? Alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous retrouver ainsi de suite? Ouais, merci beaucoup. Actuellement, Tozo Sangana à avenue Kindu 47, juste ici à lycée Kabamba. Tozo on a chaque samedi à 10h, au vite à 10h15 au Bandi. Tozo donc moto nyos tout. Porte déjà ouverte dans moto nyos. Oyo ayebi aza conscient na motema malamu ya bolingo ya boboto. Il y a pour soutenir l'action Nyonso et Flora Ibengué. Oyo, tu as une excellence. Malgré Bitumba, tout Oyo. Ils ont le cas, comme la Bible dit, que Flora Ibengué sera combattue, mais jamais abattue. Tout ça, on a chaque samedi à 10h, tu as une réunion. Tout ça, on a. Moutinous Oualingi. Ezali, Teke, non. Moutinous Oualingi, aïe, à se faire membre, ma communion sous territoire. Ok, mais un numéro, je ne sais pas, pour vous contacter, il est important que vous ayez un numéro. Bon, jusque-là, Tozan en Rwanda, Tolinga Moko, Nenge, Tozan en ghetto. Ok. Tozan en cuisine, Tozan en banane, Topé sa numéro, Moutoué, tête, non. Ok, très bien. Tozan en d'ici là, Bokozoa. Repagnons tout n'engue la tango tu retiens le couloir mais ça les bah ma grand-mère sort très bien oui avant tout qu'il ne n'aime le pas évoquer n'aime pas tout c'est Jérémy section bayaka la minute où ils a dégainé puis particularité ni les a dans cette section c'est ce bagarre là c'est ce bagarre Nicolas va mouvement ça c'est Jérémy n'aime pas battre les malémi. Parce que toi, tu la peine là, tu non, tu as la réunion, tu es présent, papi, tu es bien à tel côté, mouvement de Zéa, tu as fait le paiement. Avant, bon. Tu as fait le paiement, tu as fait plus dans le salamakas. Tu as fait le salamakas, section Baïkeza,
section territoriale T, ils ont section spécialisée, ils ont section entreprise, ils ont abattu, ça là, chaque fois, ben moyen d'avoir besoin de tango pour soutenir l'équipe Nabisso, ils ont collé la T. Donc tellement nous sommes une équipe trop, ils ont fait ça Nabisso, ben nous soutenons au Ténégé, ça là qui tout coûte la mine Nabino pour vraiment nous a concentré ma casse en Coupe d'Afrique au Togo. Très bien. Section Baratara, c'est que j'ai mis à Zanafo, mouvement Zalaïe. Section Force aussi. Je vous annonce déjà qu'on va recevoir le président Papi et la section Force. Déjà pour la semaine prochaine, il nous a invité à Nabisso dans le plateau. Le président Papi, déjà, l'annonce est lancée. Tu as vu qu'il est aux annonces dans le plateau. Maintenant, nous avançons petit à petit vers la fin. Mais avant de donner la parole à Claude Kafoukou pour parler de l'évoquine, dans le même idée, dans le même élan que démarrage à l'Inafoot, aussi c'est Missote Champ, sans pour autant parler des Rangers. Rangers aussi, équipe OP, et Tiara Moulungé, Nabakan, ils ont fait en préparation du côté des centres coureurs à Pova, Yafekofa, Nakimko, les autres s'est préparé pour entamer championnat au bien. Ils étaient en amical hier dimanche avec face au GST, la jeunesse sportive de Tiango. Et les résultats et les images, vous les aurez dans notre prochaine édition. Donc, merci au président Lambert, au Sango, pourquoi pas, au conseiller Raphaël, donc Moussa Lamalamou, encadrement jeunesse sur le Capien, du côté, il y a Rangers, donc club Rangers, où ils ont chapeauté par le président Lambert, au Sango. Claude Kafoukou, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de clôturer cette émission avec vous, les Vokines. Oui, l'évoquine, il y a un communiqué de presse. Oui. L'objet, c'est la convocation de l'AGE. Mm. La copie est adressée au président sportif de club affilié à l'évoquine, à Kinshasa. Monsieur le président, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du statut et des articles 13 et 14 du règlement intérieur de la Fédération de volleyball du Congo, le bureau exécutif de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa vous informe qu'il tiendra son assemblée générale extraordinaire et élective avant l'ouverture de la saison sportive 2018-2019 au plus tard le 30 octobre 2018 à 13h au siège de la Fédération. L'ordre du jour comporte deux points, à savoir 1. Rapport d'activité 2017-2018, 2. Élections. C'est signé le président Bamba Kitoko Tedi, Mananga ou Bamba Charles. Il y a aussi les calendriers par rapport à ces élections. On nous annonce que le 1er octobre au 13 octobre 2018, dépôt des candidatures au secrétariat de l'évoquine de 9h à 16h. Le 16 octobre 2018, mise en place de membres de la commission électorale. Le 17 au 19 octobre 2018, examen des dossiers des candidats de 10h à 15h. Le 20, publication de la liste de candidatures retenues et non retenues à 10h. Le 21, donc du 21 au 22, introduction de recours de 10h à 15h. Le 23 octobre, examen des recours. Le 24, publication de la liste définitive de candidats. Du 25 au 27, campagne électorale. Le 30 octobre, transmission de la liste définitive au bureau de l'AGE de membres du comité exécutif de l'Evokine, poste par poste. En tout cas, ce communiqué est signé par le président de l'Evokine. En tout cas, tu ne peux pas être aussi membre. Là, on va le voir. Là, je vais raisonner. On est arrivé fortement à la fin de cette émission, mais avant de clôturer cette émission, on commence par présenter Yende, les amis de Florent Ibengué, moi, ma banga, parce que Bami et Florent Ibengué, ma moni, ma banga, moi, deux, trois personnes, et ça, bien avant, c'est que Jérémy Bapé, ça, ouais, ma banga, ma banga, membre, il y a section Bayak. Bon, merci beaucoup, monsieur Toba, ta Florent Ibengué. Il y a des bossos, après ça, non, coach Android, Mbote, Mim, Psychosa, ma maman, ma banga, Bossanité, papa Rémi. Je suis un membre de Niosto, il y a les amis, et Flo et Dengue. Président Van Damme, malgré Kaka Boujana, tout au Zalawana,
Je suis Mbotemingi, président de la section football. Président Tchouchou. Yo, il dit, bah, le biba coupe ça à la yo. Et puis, je suis Mbotemingi, je merci na émission. Je suis Mbotemingi, dans mon premier, que je respecte beaucoup. Pasteur Coutinho Fernando, au hasard, mon colo, initiateur, il y a. Il y a RTMV et le famille Bofongé et papa Nanga Molimo, pasteur Dayo Samuel, que j'aime beaucoup. Ok, merci. C'est Jérémy Yolobini, le visite Mbote Nanani. Bon, Mbote et Alibosson à Archibishop Coutinho Fernando, Oazali, patron à Yachène, OEP Église. Oui, armée de victoire. Armée de victoire, passer la prospérité, tout l'andé moi kala, bien que de l'eau, tout le monde a son arrail. Mbote la madame Nangaï Farid dans qui a son Nangaï Sika Azali. Et bien, Mbote Bélé, le lieutenant général Ami Sikumba dit en fort. Pour le long nyonso yo, et ça pour casse naïe. N'a pas moyen, n'a pas fort nyonso, bien que le combat est allé dans le monde, il tient dans mon général, continuer victoire et saline. Staff technique, coach Flo, coach Android, Bino Nyonson, équipe, joueur Nyonson, en tout cas, nous sommes de cœur, Tozu Moko et Tigali Moko, Toko Bakako Kimbi. Comité général de supporters, Mbote la présence Didier Catalyst, Namba sectionnaire Nyonson, Tozarabo Moko, Toko atteindre l'objectif Nabiso. Nabo Sainte, docteur Zézé Masikine, chargé, y a marketing, Namba Ndeko Nyonson, GSV. Et si vous allez, vous montez la bino, base dans la section marché Bayaka. Donc, on a vu que tout ce qu'on va travailler, tout ce que vous allez dans un moko, et tout ce que vous allez tout ce que c'est la carte pour tout quoi pour soulever un cordon, Hoffman, il y a eu l'équipe. Oui, Claude Kafoukou. Oui, moi je veux remercier d'abord tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie aussi tous les supporters qui luttent contre toute forme de violence avant, pendant ça. Et après les matchs. Je demande aux supporters qui ne veulent pas accompagner les équipes de la RDC qui représentent la nation, qui changent de camp. Parce que c'est l'honneur de la République démocratique du Congo qui est en jeu. Ok. Merci, moi aussi. J'ai dit un grand merci à tous les publics qui nous ont suivis. De Kinshasa comme à Brazzaville, partout. Pourquoi pas aussi, je dirais merci également à mon premier, mon père que j'aime beaucoup, papa, l'idée qui vous qui nous montre, l'idée qui nous prêche là, l'idée là va défendre votre cause. Et moi, je sais qu'à très bientôt, je vais vivre encore et vivre encore les shit. Oh, mais ça n'a pas été la question en chair. Je sais qu'à très bientôt. Et pourquoi pas aussi à la dame du fer. Moi, je suis à Maman Gambon Évangile, Maman Bishop, Mikoutino, Maman Nzamba Mounayo, Nzamba Pamboula, pourquoi pas. Famille Fernando Mobimba et nous avons pour la famille sportive Mobimba et surtout l'école des gardiens de Bi, l'académie Jeune Boulaïma. En tout cas, ceux qui sont gardiens, un centre école, ceux qui sont formés, ceux qui sont formés, il y a gardien, il y a qualité, il y a gardien, il y a quitté, ceux qui sont gardiens, il y a le coup là, Jeune Boulaïma, mon croyance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, gardien monté. À battre record, il y a Boulaïma. Donc, il y a qu'une école où on les a tous les jours, de 6h à 9h, au stade de martyrs de la Pentecôte, avec lui-même, le coordonnateur Jeune Boulaïma Moukouyanzou. Là, je vois des Fabrice, Fabrice Moukanga, là, gardien FC Kayolo. En tout cas, gardien Bazé Bélé, Eric Chéquier, Guy Serge, pourquoi pas aussi, Nathan Mabriki, Eder, Simil Parade, donc, gardien Bazé Bélé. Merci beaucoup à Pax Moussaou, ma complice de tous les jours, de tout le temps, mon président Timothée Minayem et mon président Casimir. Pourquoi pas aussi le président Makiadi. En tout cas, merci au président Vandam aussi de Force One, agence sportive des acteurs du Congo, Mdamakasa Congo, PNPT, GG Kizubana, Tamoulaï, le commissaire patron. Merci beaucoup au président Didier Catalis du côté. Il y a grande commission des supporters, il y a Laïs Vita Clève et mon vieux Dédé Dan. Là, je cite Florent Bengi Kwange. Pourquoi pas aussi, bon retour na Otis Ngoma, où il a commis maintenant directeur sportif du côté de Mitema Pembe. En tout cas, je dirais aussi à mes bébés chéris que j'aime beaucoup. Prédi, viva la Rosine, viva la Jonathan, pourquoi pas aussi à Sheila, viva la que j'aime de tout mon cœur.
D'ici là, l'émission, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Là, je dirais aussi un grand merci. Nabato, ma héros dans l'ombre, ou basele qui doit apparaître pour Nabino sans audience, sans invitation. Mais nous étions là, dans la télé, dans la TV, Nabino, on a invité dans le magasin, dans la boutique, dans le salon, na yo, grâce à Josué ou à Simaï Lili, pourquoi pas. À Moulaïm Binga, Chanel KMB, qui a été aussi là du côté console. Un grand merci aussi à Soumani Lola, notre réalisateur de tous les jours, de tous les temps. À Michel Mika, à la régie finale, pourquoi pas aussi. À Boris Nawej, à Robaz et à Trésor, à notre directeur. Merci au président Yende qui nous a fait plaisir de répondre à notre invitation. Pourquoi pas aussi à Sec Jérémy qui nous a fait aussi plaisir de répondre à notre invitation. Mais cette émission passe en rediffusion demain mardi à partir de 17h30. D'ici là, portez-vous bien et nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Ciao.